Non, mais nous voilà dans une autre communauté, encore plus dans les montagnes, avec des tout petits petits. Ça va, Eglantine? Oui. Comment se llama el bebé? Juan José Abdias. Juan José. ¿Y tú cómo te llamas? Edilza Carines Mata García. Ajá. Il y a des super belles couleurs ici, hein. Oui, et ce qui est bien, c'est que... Ellos no hablan mucho español. Un poco. Hey. ¿Y dónde está la otra? Saber. No, muy bien. Donc deux petites salles de classe. Buenos días, señora. Hola. ¿Cómo te llamas? Anselma Isabel. Bueno, mucho gusto. Me llamo Karin. Hola. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 5 años. Yo me llamo Karina. 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 Sí, eso. Hola. Hola, muchachas. Hola. Hola. Una foto. Après le spectacle, c'est l'heure du goûter. Alors, ça va, Eglantine? Pigne, ananas, papaye, pastèque. Moi, j'adore la papaye d'ici. T'adores la papaye d'ici? Tu goûtes, hein? Gracias, gracias por traer.
tell you, my dad was supposed to be here, and she said, where's he going to stay? I was like, el baño estuvo bien bonito. Pero, hay agua hoy. Ahorita veo, sí, vamos a llenar, está llenando aquí, vamos a pasar allá. Sí, vamos a llenar. Vamos a, pero el pipí ya no, está bien, pero solo es... Sí. Bon ben voilà, on est dans la camionnette en pick-up pour aller de San Juan à San Pedro. Et... on a quitté mes meilleurs amis. Ah ben là on est en train de faire des activités dans une école avec des enfants et voilà, les séparations c'est toujours dur. Donc un moyen de locomotion c'est ou le pick-up ou le tuk-tuk comme derrière, alors un coup l'un, un coup l'autre. Et bon, le pick-up c'est moins cher, hein, mais c'est quand même moins confortable. La bouche ouverte de profil. Ah, la montagne célèbre du coin.